Bonjour, cette petite vidéo vous expliquera comment utiliser les documents types dans MediSpring et ainsi imprimer de très beaux documents à allure professionnelle pour les médecins spécialistes et les patients. Tout d'abord, allez dans la barre des outils à gauche et cliquez sur l'icône outils. Dans la section documents types, vous retrouverez tous vos documents types classés par ordre alphabétique. Si vous n'en avez pas beaucoup, c'est que probablement vous n'avez jamais effectué la maintenance des documents types pour les importer. Allez à ce moment sur l'onglet maintenance, sélectionnez la maintenance création des documents types et puis cliquez sur exécuter les maintenances sélectionnées. Cela injectera les 29 documents types présents dans MediSpring. Ensuite, retour sur l'onglet documents types. Dans la liste des documents types présents, si certains documents ne vous concernent pas du tout, vous pouvez tout simplement les supprimer. Par contre, si certains documents vous intéressent, nous vous conseillons éventuellement de cliquer sur le bouton « Modifier » pour voir si ceci correspond à votre besoin. Dans cet exemple-ci, le document type de certificat d'accident de travail a été fait avec beaucoup trop d'interlignes. Vous pouvez, si vous le désirez, diminuer les interlignes et éventuellement modifier le texte comme vous le désirez. Vous verrez également que nous avons au départ chaque fois mis un double interligne, ce qui peut ne pas être très joli à l'impression. Vous pouvez les adapter comme vous voulez. Par exemple, je place mon curseur après le nom du médecin. Je pousse sur la touche Delete et puis sur la touche Enter afin de faire un simple interligne. Vous pouvez faire cette petite manœuvre pour tous les documents que vous voulez modifier. Cliquez ensuite sur le bouton Modifier. Si vous désirez maintenant créer un nouveau document type, cliquez sur le bouton Ajouter un document type. Donnez-lui un nom, par exemple Courrier spécialiste. Et puis, nous allons commencer à mettre les différentes entêtes. Pour créer votre propre entête, vous pouvez dérouler les balises qui se trouvent sur la gauche. Par exemple, tout à fait en haut de la lettre, je veux mettre mon nom. J'ajoute la balise « Nom » par un double clic. Elle se place dans la lettre. Je fais un petit espace. Je fais un double clic sur le prénom. Je passe à la ligne. Je mets mon adresse, un petit espace ainsi que le numéro de maison, le code postal et puis la ville. Mettez également votre numéro de téléphone ou votre email, etc., etc. Vous pouvez maintenant, si vous le désirez, mettre une petite ligne et faire un mise en page comme vous le voulez. Vous pouvez adapter la mise en page en mettant, par exemple, votre nom, prénom en caractère gras. Vous pouvez maintenant créer votre document et ajouter les balises aux endroits voulus. Dans cet exemple, je vais dérouler le chapitre des balises patients. Je vais rajouter le nom, un petit espace, et le prénom. Vous pouvez maintenant décider d'ajouter le dossier du patient. Par exemple, ses problèmes de santé. Et là, vous allez retrouver dans le chapitre des balises données du sommaire, faites un double clic sur problème. Vous pouvez continuer avec les antécédents médicaux, chirurgicaux, etc., etc. Vous retrouverez tout en bas les antécédents texte libre qui se trouvent dans la note médicale, dont vous pouvez en créer également une balise. Vous pouvez également noter la consultation du jour. Allez à ce moment-là dans Contact et vous pouvez mettre le motif, passage à la ligne, le subjectif, passage à la ligne, objectif, etc. Vous pourrez y noter toutes les valeurs de biométrie, toutes les valeurs de l'incapacité de travail, de la demande de kiné, radio et tout en bas, dans Médication, Posologie, vous pourrez injecter le traitement prescrit lors de cette consultation.
Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton « Sauver » et votre document courrier spécialiste est terminé. Il peut maintenant être appelé directement dans la consultation d'un patient. Vous ne devez naturellement pas créer un document systématiquement. Vous pouvez choisir un document déjà existant, par exemple avis confrère pour un médecin généraliste qui envoie vers un spécialiste ou pour les spécialistes courrier au médecin traitant, dicté, etc. Je prends l'exemple d'un avis confrère. Je clique sur le bouton « Modifier ». Vous retrouverez le canevas qui a été prédéterminé dans MediSpring. Vous voyez ici un canevas un peu différent qui a été créé à l'aide de tableaux. L'utilisation de tableaux est très facile et permet d'agencer exactement le corps de texte où vous voulez le placer. Prenons un petit exemple. J'ai supprimé l'entête existante et je vais y insérer un tableau. Cliquez sur le bouton « Table » et choisissez le nombre de cellules que vous voulez. Par exemple, vous décidez de placer 2 cellules sur 3 lignes. Vous pouvez naturellement bouger le curseur, y placer tout à fait en haut vos données médicales. Vos données médicales ayant été placées dans le tableau, vous pouvez maintenant, dans le cadre gauche, si vous le désirez, placer votre logo. Pour ce faire, mettez votre curseur dans la colonne de gauche et cliquez sur le bouton « Insérer une image ». Dans le chapitre « Upload », recherchez l'image qui se trouve dans le dossier désiré. Cliquez sur « OK » et l'image se place immédiatement dans le cadre en question. Vous pouvez maintenant décider de centrer cette image et éventuellement de jouer avec la taille pour la rendre plus petite. Dans la deuxième colonne de la deuxième ligne, vous pouvez y placer le nom du destinataire en sélectionnant les balises dans le chapitre « Destinataire du courrier ». En faisant ainsi, vous pouvez jouer avec la largeur de la colonne et ainsi centrer exactement l'adresse qui se placera dans la fenêtre d'une enveloppe américaine. Ensuite, dans la première colonne de la troisième ligne, vous pouvez y mettre, par exemple, le nom du patient. Vous pouvez y mettre son nom, prénom, son adresse et toutes ses coordonnées administratives, comme le numéro de mutuelle, le numéro national, etc., qui se trouvent dans les balises de la rubrique « Patient ». Ensuite, vous pouvez, si vous le désirez, jouer avec les différentes propriétés du tableau. Par exemple, quand le tableau est sélectionné, une barre d'outils se place en dessous. Dans la barre d'outils du tableau, vous pouvez sélectionner d'afficher ou pas une bordure. Par exemple, si je désire ne pas voir la bordure, je mets 0 pixel dans la bordure et elle se place en pointillé. C'est-à-dire que tous vos champs se trouveront exactement à la bonne place, mais à l'impression, aucune bordure ne sera imprimée. Vous pouvez, si vous le désirez aussi, dans une cellule, faire un clic droit dans la cellule et aller dans les propriétés de la cellule. Dans celle-ci, vous pouvez choisir l'alignement, vous pouvez choisir des distances entre le texte et la cellule, et dans la partie avancée, vous pouvez donner une bordure, et vous pouvez même donner une couleur de la bordure. Cette couleur de la bordure se met en texte. Faites OK. Vous retrouverez maintenant une bordure dans cette cellule. Quand vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur « Modifier » et le document que vous venez de faire a été modifié. Lorsque vous créez de nouveaux documents, il est très simple également de prendre un document existant, comme celui que je viens de faire. Je clique sur « Modifier ». Je sélectionne par exemple toute mon entête. Je fais « Ctrl-C » au clavier pour le copier, j'annule, j'ajoute un nouveau document, avis 2 par exemple, et dans le document, je fais CTRL-V pour coller, et je retrouve avec exactement ma même entête, et je peux faire un document légèrement différent. L'utilisation des cadres permet d'aller très loin dans la mise en page. Prenons un exemple. Je viens de créer un nouveau document dont j'ai fait un copier-coller de l'entête. Si je veux maintenant placer sur la gauche de ma page la liste avec
tous les médecins présents au centre ainsi que leurs heures de consultation, nous allons créer une table de deux colonnes. La première colonne étant beaucoup plus petite. Dans les propriétés du tableau, je décide qu'il n'y a pas de bordure et dans le cell padding, je mets par exemple 5 pixels. Cela veut dire que je mets un espace de 5 pixels partout à l'intérieur du cadre afin que le texte ne colle pas au cadre. Cliquez sur OK et complétez maintenant votre document. Cela se présente donc de cette façon-ci. Vous avez créé un tableau à la partie inférieure de votre document, reprenant sur la gauche un cadre avec le nom et les heures de consultation de tous les médecins, et dans la partie droite, vous pouvez taper votre texte. Petit exemple, dans la partie droite, je fais un clic droit, je me retrouve dans les propriétés de ma cellule, et là je peux décider que l'alignement vertical de mon texte commence en haut. Il pourrait commencer au milieu ou en bas, mais le plus logique est en haut naturellement. Cliquez sur OK, et maintenant vous pouvez commencer à mettre votre document type à l'intérieur de ce cadre. Sauvez ce document. Prenons maintenant l'exemple dans le dossier d'un patient. Quand vous êtes dans le dossier d'un patient, vous pouvez sélectionner dans le P, le plan d'action, le chapitre document. Vous retrouverez avec tous vos documents nouvellement créés ou modifiés. En sélectionnant le document type avis confrère, vous retrouverez votre document avec votre logo, votre nom, le nom du médecin destinataire ainsi que le nom du patient. Dans votre document, il vous suffit de taper quelques lignes pour expliquer la raison de votre envoi et vous retrouverez la totalité du dossier de votre patient dans la lettre. Naturellement, vous pouvez toujours effacer une partie de la lettre si vous estimez qu'elle est inutile. Ensuite, vous pourrez l'envoyer par eHealthbox. En l'envoyant par la eHealthbox, un fichier se crée qui pourra être intégré automatiquement dans le DMI du médecin qui reçoit le courrier. Le nom du médecin traitant inscrit dans la fiche du patient est affiché. Vous pouvez naturellement le supprimer et noter le nom d'un autre médecin traitant. Celui-ci sera recherché dans la base officielle COBRA de l'INAMI. Dans l'objet, vous pouvez mettre éventuellement un petit commentaire et l'envoyer. Vous pourrez naturellement également l'imprimer. En l'imprimant, vous retrouverez, comme à l'écran, l'endroit où le nom du médecin traitant se place exactement dans une fenêtre, le nom du patient qui avait été entouré d'un petit cadre vert, ainsi que toute votre lettre et le dossier du patient. Il vous suffit maintenant de la plier en trois et de la mettre dans votre enveloppe adéquate. En cliquant sur « Enregistrer », ce document se place dans la consultation du patient. Vous pouvez toujours y revenir en cliquant sur ce document, le compléter, le réimprimer. Plus tard, dans les outils et les documents types, nous aurons l'occasion d'importer des documents types qui ont été placés sur un site internet où les utilisateurs pourront eux-mêmes déposer leurs documents. Les documents pourront ainsi être partagés de façon coopérative entre tous les utilisateurs de Medisprint.